Malgré la confusion, je n'avais aucune investiture officielle, comme vous le savez, même si j'avais reçu le soutien ici de tous les militants socialistes, et que La République En Marche avait décidé de ne pas présenter de candidat face à moi, et avait même appelé et avait même souhaité ma victoire. Mais il y avait d'autres candidats qui se réclamaient, c'était leur droit, de la majorité présidentielle. Malgré cette confusion, malgré le nombre de candidats, 22 dans cette circonscription, j'arrive nettement en tête du premier tour, nettement en tête dans 5 villes sur 6, et avec 25,5%, je suis nettement en tête. La deuxième candidature, comme vous le savez sans doute, est celle de la France insoumise avec 17,6%. Maintenant, il y a un deuxième tour et le choix est désormais clair. 22 candidats au premier tour, 2 candidats au second tour, comme c'est la règle en fonction des scores du premier tour. Et c'est un choix de clarification.